Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un after patch pour le glitch God Mode qui vient d'être patché hier. Alors ce glitch va vous permettre d'être invincible contre tous les zombies, vous allez pouvoir débloquer tous les camouflages de toutes vos armes facilement et très rapidement et vous allez pouvoir faire des XP en illimité. Alors pour réaliser le glitch, vous allez devoir vous rendre à la tour d'observation et de lever le confinement, donc d'activer le pack-a-punch. Donc si vous ne savez pas comment activer le pack-a-punch, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé, il y a une playlist avec tous les tutos de la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez activé le pack-a-punch, vous allez devoir appuyer sur un bouton qui se trouve également dans la tour d'observation, à côté des grandes vitres sur un mur à droite, où justement devant les vitres, il y a un rideau de fer. Donc appuyez sur ce bouton, c'est très important, si vous n'appuyez pas sur ce bouton, vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Donc appuyez sur ce bouton et ensuite passez la cinématique. Quand ceci est fait, allez au pack à punch et achetez le MOS de munitions câble HS. Ensuite rendez-vous à la salle d'arcade et devant la borne d'arcade Grand Prix, vous allez devoir tuer un zombie en activant le MOS de munitions électrique pour justement alimenter cette machine. Quand la machine est alimentée, vous allez devoir acheter un hélico qui coûte 250 matériaux supérieurs à la table de craft, donc l'établi. Alors maintenant, vous êtes prêt à réaliser le glitch. Cependant, le glitch est quand même très compliqué comparé à avant. Maintenant, il y a une question de timing, une question de chance pour y arriver. J'ai même essayé de créer un script qui m'aurait permis de vous le partager et qui vous aurait permis de vous mettre devant la machine et d'appuyer sur une touche pour réaliser le glitch, mais je n'ai pas réussi à créer le script. Donc si quelqu'un d'entre vous s'y connaît en script, n'hésitez pas à essayer de créer un script vous-même et de me l'envoyer sur Discord pour que je puisse le partager à la communauté. Alors ce que vous allez devoir faire manuellement, c'est de vous mettre devant la machine un Grand Prix. Ensuite, il faudra que dans vos paramètres, tout en bas de vos paramètres manette, qu'elle soit configurée sur priorité à l'interaction ou alors sur appuyer pour interagir. Quand ceci est fait, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur la touche action pour activer la borne d'arcade Grand Prix et être dans la RCXD. Mais juste après avoir appuyé sur carré, il faut que vous activiez votre hélico. Donc il y a une question de timing. Si vous activez votre hélico trop tard, ce qui est quand même une préférence pour ne pas perdre l'hélico, et bien en fait vous allez vous retrouver dans la RCXD, mais vous n'aurez pas ouvert votre hélicoptère d'attaque. Donc ça veut dire que vous aurez appuyé sur flèche de droite trop tard. Donc si vous avez assez d'argent, vous allez pouvoir réessayer instantanément après. Donc vous essayez, mais ne le faites pas trop tôt. Parce que si vous le faites trop tôt, votre hélicoptère d'attaque va vraiment s'activer et vous allez être téléporté dedans. Donc vous allez devoir quitter l'hélicoptère d'attaque et ensuite vous verrez que vous serez dans la R6D. Et vous aurez perdu votre hélicoptère d'attaque, donc vous devrez recommencer à farmer 250 matériaux supérieurs. Donc ça, c'est un peu relou. Après, si vous avez créé l'arme spéciale, franchement, c'est easy, hein. Vous passez les manches, vous économisez vos matériaux supérieurs et franchement, ça va très très vite. Et si vous ne savez pas comment créer l'arme spéciale de la map, n'hésitez pas à aller voir en commentaire. Il y a la playlist avec tous les tutos de la map oubliés. Alors maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça doit faire si vous réussissez le glitch. Donc vous refaites exactement ce que je viens de vous expliquer, vous allez devant la borne d'arcade, ensuite vous appuyez sur carré et dès que vous voyez le message ARCXD actuellement déployé, là vous appuyez sur flèche de droite. Il y a vraiment une question de timing, c'est très précis et il va falloir avoir le bon tempo pour y arriver. Donc peut-être qu'avec de l'entraînement vous y arriverez une fois sur 3, une fois sur 5, mais je pense pas que vous puissiez y arriver à tous les coups à moins d'avoir un script qui le fasse à votre place. Donc si vous avez bien réussi le glitch, ce qui va se passer c'est que vous allez ouvrir votre petit ordinateur qui contrôle l'hélicoptère, vous allez avoir un écran noir et ensuite vous allez être retéléporté dans la RCXD. Mais vous ne passerez pas dans l'hélicoptère d'attaque. Donc il faut vraiment que l'écran noir s'affiche puis ensuite que vous soyez retéléporté dans la RCXD pour que ça fonctionne. Si vous êtes dans l'hélicoptère, ça ne fonctionne pas et si vous n'avez pas d'écran noir, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc quand vous avez eu l'écran noir et que vous êtes directement dans la RCXD, ça veut dire que vous avez réussi. Ensuite, vous faites exploser la RCXD et vous allez voir que vous êtes en God Mode. Donc vous serez invincible contre tous les zombies, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, même le secret si vous voulez, vos cartes d'agent, des XP, vos camouflages, tout, absolument tout. Vous n'allez jamais mourir, rien ne peut vous tuer. Alors si maintenant vous voulez enlever le God Mode, il suffira juste de réactiver l'hélicoptère d'attaque pour enlever le God Mode, tout simplement.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.